Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, je sais c'est une vidéo par semaine et là j'ai mis 10 jours, mais je suis invité au mondial de l'automobile et c'est le thème cette année, c'est les voitures de film. Et je suis un grand fan de Retour à le futur et devinez qu'est-ce qu'il va y avoir en exposition? La DeLorean volante! Et je vais tout faire pour rentrer dedans parce que c'est un peu un rêve de gosse et le but de la chaîne c'est de faire 100 choses avant de mourir. Donc tant qu'à faire, autant réaliser ses rêves. Voilà, voilà, c'est parti! Alors ce fut long et fastidieux, mais on y est. Let's go! Bon alors Dacia, on s'en bat les couilles. Je crois que je vais me faire engueuler. Mais ici, c'est la banquise. Ils sont tous en costume, cravate, avec des manches à balai dans le cul. Je me sens tellement mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est tellement énorme que tu sais pas où il faut que tu ailles. Il y en a de partout et il n'y a pas tellement de circuits. Donc du coup, je suis totalement perdu. Mais j'aime bien, c'est super cool. Il y a vraiment des beaux trucs. On va essayer d'aller voir les modèles de ouf. Tranquillement, quand tout à coup, PlayStation! Mon côté geek est partout, c'est génial. Et là, regardez à quoi on a le droit. Canal! Je vais aller gratter l'amitié. Toujours à ma recherche des voitures de film, je garde espoir qu'un de ces quatre je le trouve. Parce que personnellement, en fait, voir des voitures que je peux pas conduire parce que j'ai pas le permis, bah ça m'a tendance un peu à me gaver. Donc du coup, je veux ma voiture. Bon, je suis devant le stand de Tesla. Donc si je me trompe pas, en fait, c'est une marque de voiture de luxe, mais qui marche que à l'électricité, en fait. Et c'est vraiment excellent, parce que c'est cool pour l'écologie, t'as vu? Puis accessoirement, elles sont belles. Parce que je sais pas si t'as vu, la gueule des voitures électriques, à la base, ça fait pas bander. Là, oui. Vous pouvez pas filmer, là, monsieur. Pourquoi? Ouais, c'est interdit. Parce que mais c'est l'homme en pingouin qui me dit ça. Ouais, mais c'est parce que vous avez pas vu votre champagne, encore. Non, parce que j'en ai pas trouvé, on m'en a pas proposé, en fait. Chine. Bah, Chine. J'ai trouvé. On a trouvé. Wouh! Bah là voilà, 3 heures de recherche, on l'a enfin. Il y a l'almanach des sports et tout, c'est tout. Putain, c'est pas grave. Faut pas m'en vouloir, mais si on vous laisse faire, c'est la boîte de pouvoir. Non mais c'est pour ça que j'avais attendu qu'il y ait personne pour faire un screen. Non mais justement, c'est là notre problème énorme. Ah. La soirée VIP, où les gens pensent que parce qu'ils sont VIP, ils peuvent tout faire, c'est énorme. D'accord. 90% des cases de véhicules qu'on a, c'est pendant les soirées VIP. D'accord. Alors nous, on est là du matin jusqu'au soir pour surveiller nos voitures. Okay. On vous fait un plaisir énorme de vous les voir. Ah ouais, non, mais je suis déjà comme un dingue, mais c'était vraiment voir l'intérieur, c'est hyper intriguant. Et ben, il y a la barrière, regardez bien. Et je sais pas. T'as pas filmé ça?
Bon, du coup, est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi ma mission avec la DeLorean? On va dire oui. Des fois, pour être rentré dans la DeLorean, je propose d'aller dans une Infiniti parce que c'est classe Infiniti. Ce qui est encore plus marrant, c'est que je suis dans une voiture de ouf et j'ai toujours pas le permis. J'ai envie de vous dire santé. Montez l'intérieur, bien le coco. Alors ça, c'est un volant. Ça sert à piloter la voiture. Non, elle est cool, hein, le cuir et tout. T'en penses quoi? Tu trouves pas mal comme ça? Je l'avoue. Est-ce que je suis bandant en conducteur de voiture? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est moi qu'on filme, c'est pas ma bite. Sinon, je ferais du porno et pas YouTube et je gagnerais bien ma vie. Voilà. Je vais essayer de m'incruster dans la soirée de Volkswagen avec monsieur là, Pingouin. Bonjour. Et on va voir si j'arrive à y rentrer. Eh bien, mon cher Eric, c'est une mission accomplie. Voilà. Yes! Donc là, finalement, on devait aller chez Volkswagen, mais finalement, on a préféré prendre la classe supérieure. Du coup, on est allé chez Audi. Ouais, c'est un peu mieux, n'est-ce pas? J'ai pas entendu. Yes. Yes. Bon, ben voilà, le mondial de l'auto s'arrête maintenant. C'était une expérience excellente parce que c'est vraiment la première fois que j'avais l'opportunité d'être invité dans un salon de l'automobile. Mon père m'est tellement rageux de ne pas être là, mais bon, vous savez ce qu'on dit, les enfants sont faits pour surpasser les parents, donc c'est ce que j'ai fait. Désolé papa, voilà. Moi franchement j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment incroyable de voir autant de voitures, malgré la frustration de savoir que je pourrais certainement jamais en conduire une. Mais bon, on va faire sans, voilà. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.